des deux qui pour tout le temps pénal, les clés, l'hiver, l'automne, toutes ces choses, des saisons, Dieu finit bien qui prie dans ça. Amen. Et pour nous, c'est une grâce. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui connaît le désert Sahara comme il décrétait, qui veut dire Seigneur, merci pour les mots. Amen. Ça va faire 54 degrés. Il était dans la liste 54 degrés. Amen. C'est par quoi? Amen. Et nous allons aller dans les tours là-bas. Le livre de Jean, chapitre 14. Bonsoir. Bonsoir. Et nous devons faire une série d'études sur le livre, sur les dons de l'esprit. Amen. Nous avons déjà commencé et nous continuons aujourd'hui. Et le livre de Jean, chapitre 14, verset 16 et 17. Amen. Beaucoup spécial à ceux qui sont là avec nous. Plus papier, crayon, gomme, la règle. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Texte de base pour faire la récapitulation. Amen. Dans quelques minutes, amen. Et juste après la réunion, vous déconseillez tous les anciens. Puis, enfin, vous êtes tout le monde, parce que je suis un ancien ici de l'Église. Jean 14, verset 16. Texte de base, et puis 1 Corinthiens, chapitre 12. Je vais étudier les dons de l'Esprit. Dis-moi, don pour moi ça. C'est Saint-Esprit qui distribue ça. Ça m'a donné là, pour nous, fini d'être donné pour nous. Amen. Jean 14, verset 7. Je fais la lecture et puis 1 Corinthiens, chapitre 12. Thank you, Holy Spirit of God. Amen. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera de quoi? Amen. Je vais faire un petit peu différent de lui. Je pose à mes yeux de l'écrire. Amen. De vous répéter un petit moment. Mais même sans la musique, nous dire sa santé dans vous. De vous sentir que ma vie soit accomplie du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? De tout nous l'écrire. Faites-moi de nous terminer une pétition envers Dieu. Amen. Je connais la Bible, dire le livre de Somme, dit de comme cela. Comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupire après les eaux. Fallait que quelque part, Seigneur, m'ouvrir mon l'écrire. Et mon désir assoiffé de toi. Amen. Je veux. Que ma vie soit remplie, je veux que ma vie soit remplie, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Il y en a neuf.
Allez, le verset 8, 12, 8. En effet, à l'un est donné l'esprit de parole de sagesse qui se désinconnaît, un autre l'esprit, pardon, un autre une parole de connaissance selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, et c'est bon, oui. Et un autre le don d'opérer des miracles. Amen. Je crois que je vais mettre la lumière un petit peu plus fort. Allez. Et pourquoi la lumière est arrivée pour les vêtements? Et un autre le don d'opérer des miracles. Amen. On va regarder ces deux. Mais avant toute chose, toujours nous demande la grâce continue. Amen. Papa, pour remercier toi, Seigneur Dieu, pour ton amour, pour de la grâce, pour de la force, de bonté, de fidélité. Sans toi, on n'est pas capable d'être en vie. Holy Spirit of God, you come, you take over in this place. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Au partage tout mon esprit royal, l'esprit de lourdeur, l'esprit d'iniquité, l'esprit de la religion, de la prière, de l'âme, de travail, de la sorcellerie. We bind in the name of Jesus Christ. Et vous priez qu'il t'opère, Seigneur, liberté dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ. C'est le plaisir. Amen. Amen. Ainsi, courte récapitulation de la semaine dernière, nous avons le don de la foi, nous avons profondément. Et deux points qui sont importants, qui quelque part, nous avons envie de ressouligner ça. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne croit pas. Le verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi mettre ça, oh, oh, là? Tellement bien, vous speak up. Oh, en anglais, veut dire now. Ça veut dire dans un autre langage anglais, more so, c'est-à-dire en plus. C'est-à-dire dans la foi qui est exercée simplement, et dans l'autre, la foi qui vient un petit peu plus, du tout, en plus. Amen. Nous disais ça la semaine dernière, et surtout ça, il y a pourtant, la foi pas capable de grandir. Moi, j'explique ça clairement, parce qu'il y a demandé aussi au contexte. La foi pas capable de grandir. La foi vous exercer. Moi, j'expliquais, un garçon à gym, il a envie de se débrouiller, il n'est pas qu'un écran de deux verres de son ami qui est dans la place. Ce muxe pas pour bingo. C'est-à-dire qu'il s'est fait se lever. La foi là, si Jésus vient dire, maintenant il dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus pas vient dire, vini mon nom, plus de temps, augmente la foi. Non, Jésus il bénit simplement, il bénit des autres. Si tu es dans la foi, comme un acclin mouton, te dire ça, si comme là, déraciner à Zébi dans la mer, aller. Te dire ça, montagne à déraciner et aller. Qui peut dire pour ça, c'est que si nous n'avons la foi, nous avons fait maintenant quelque chose. Je n'ai la foi, moi, je n'ai la foi, je vais déraciner la montagne. Et c'est moi la foi là, je me suis développé. Comment me développer la foi, me terminer là, un vrai sujet pour la prochaine fois. Et pardon, pour ce qui me plaît aujourd'hui. Qui, moi, vous développe ça, la foi, là, je veux bien commencer, mais je, la foi en, comment on fait ça? En, eh bien, en action, quand on a mobilisé sur le Jésus, faites vraiment vie. Mais qui a, en action, vous prenez la foi, là, vous mettez en action. Vous payez la petite chose à faire, dis-moi, Seigneur, vous devez dans vous, vous prêtez. Seigneur, ayez vous la tête de faire, Seigneur, vous prêtez, je pardonne. Vous dites, tout petit, 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 vous dites, carrément, mais bon, vous tapez la vie, vous la tête, tu veux faire, moi. Vous dites, moi, c'est que c'est ça, bien petit. Mon cas, moi, j'ai l'assemblée pendant que 8 ans. Moi, tu peux aller, moi, la tête, tu peux faire, moi, je pas mon vie, je connais pas ton bon Dieu grand. Moi, je sais bien, mon vie, je connais pas ton guéri. En dernière fraction, c'est moi, mon vie, trop, je l'ai la tête finale. Parce que nous existons, nous existons. Je suis pareil, pas pire. Parce que si je l'ai bon Dieu, d'un autre côté, je l'ai bien. Je l'ai même développé, je l'ai développé. Aujourd'hui, on va regarder maintenant deux dons, et ça, on appelle le don de la guérison et le don de opérer un miracle. Ok, il est presque pareil, mais on va regarder aujourd'hui. Mais la foi qui vous développe, ça manque de choses. Amen. Et en termes de base, maintenant, nous vous mettons une base. Mais avant qu'il vous mette sa base là, nous vous lire un verset de la parole de Dieu, tout ce qu'on en sait. Beaucoup pensaient que c'est 10, aujourd'hui dans ma main. Beaucoup pensaient que c'est 10 et dans ma certaine du monde qui est capable d'opérer dans ma miracle. Mais nous, il y a la Bible qui dit. Aujourd'hui, nous dit. Tout mon serviteur de Dieu qui a envie, je vis fort, je vis solide, je donne une petite chose, nous encourageons, je vous dis bien. Mais aussi, nous sommes aussi nous quittons par rapport à qui bon Dieu dit. Bon Dieu, dis à moi ça. Avant de lire, il n'y a pas qu'une cause en X, Y, Z, laissez-moi c'est la cause en moi. Le livre de Marc, chapitre 16, verset 16. Marc 16, 16. Nous venons lui aller ensemble. Nous avons fait ça la grande commission. Avant Jésus, allez, il finit de nous ça. Il finit de nous la direction qui nous devait faire. Pardon, excuse-moi.
Dis pour moi ça. Le jour qui te commence à croire que Dieu est capable de guérir toi, le jour qui te commence à croire que Dieu a un pouvoir de besoin, tu commences à sortir dans une amorce naturelle, tu commences dans une amorce surnaturelle. Je vais comprendre. Maintenant, dès l'amorce physique, regarde qui la Bible aussi dit. Ne marche pas la vue. Ne marche pas là la foi. Ça qui est important. La foi, c'est la base de la chrétienté. Le livre de Marc 16, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Te crois en Jésus-Christ? Bon, pas moi, hein. Moi, si je te passe que tu dis Amen. Amen. Pour que la nuit vendredi, mais demain samedi, la nuit pour que ça casse la nuit dernière. Amen. Voilà, là, c'est bon. Voici les miracles qui accompagneront un miracle pour accompagner moi. Et qui s'en a fini de dire ça? Qui s'en a? C'est Jésus. Quand il vient aller, il donne un commandement, il vient donner sa bénédiction et il veut dire qui s'en accompagne nous. C'est qui simplement nous faisons croire. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il dit? Et en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Miracle pour arriver, démon pour chasser. Et qu'est-ce qu'il dit? Impose-nous, dis-moi. Quand on pose les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais comment les développer? L'idée, il développe dans la case. Tout qui se développe, ta famille commence de la case, l'église commence de la case. Ton exerce qui te peut faire, il commence de la case. Si tu veux te faire une douleur à la tête, pose un peu de la tête et commence à dire Seigneur, mon fin guéri. Tu as une douleur à la tête, Seigneur, mon croix. Commence à développer. Écoute-moi, on aurait dit, si un démon est malade, je vais prier pour lui. Il n'est pas de péché, mais il n'a pas eu de mal. Vous êtes d'accord avec moi? La sainte doctrine, Dieu fit dire qu'un piquet malade avait mal ancienne église, imposé les mêmes malades et vous guérir. Mais ce qui nous peut faire, nous devons empower the church. Et n'a pas dit sa petite guérison là. Et n'a beaucoup plus que ça. Qui nous maintenant, donne-moi bien. Si mon récit qu'on ouvert un labo, mon carbine ou la carte ouvert ou la porte, ça qui nous peut dire. C'est qu'il nous plaît qu'on se développe nous-mêmes. Mais il y a un don qui Dieu vient de nous. Et là-bas, c'est que Dieu vient de nous, il y a un miracle pour accompagner nous. C'est le grand commission, la grande commission qui Dieu vient de nous. Il descend pour nous ça. Il finit de nous aller. Il dit aller. Comme Pierre, viens. Sa mot-là finit de dire viens. Finira de sauver Pierre finit de dire l'autre. Dieu vient de nous aller. Il dit aller. Mais si tu restes dans l'église, on va prendre quelle guérison. Là, on commence. Si nous restons en place, Dieu dit allez voir tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il va finir de dire reste dans l'église et church et prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu dit allez. Quand nous sortons par la foi, nous trouvons un voisin qui est malade, nous trouvons un démon qui est malade de l'hôpital, nous sortons par la foi, nous allons visiter. Et quand vous allez visiter, donne-moi bien, vous mettez une barre là, dans la tête, mon pisin et une pensée. Qui, quand vous prenez, pose les mains. Beaucoup de connexions dans l'hôpital. Moi, quand je réponds ça, il pouvait se diger. Parmi les types d'orange et qu'un type de pauvre. Soit une boîte céleste. Soit, par le manque d'hôpital, zis pour montrer aux présences d'un moment difficile si moi tiens. Quand je vais m'en servir, oui, je dis bon. Mais pourquoi pas nous faire un petit peu plus que cela. Quand on allait nous pose les mains aux malades, les malades seront guéris. Dieu n'appelle nous pour nous faire ça. C'est un même. Dieu nous sait comment se développer. Parce que pourquoi, quand nous descendons en bâtiment, quand nous parlons de place, il y a quelque chose qui vous commence à arriver. Je te aussi, je sais comment se faire un travail. Je te aussi, je sais comment se développer. Il y a de ma voisin, de ma frère, de ma soeur, de ma tonton, de ma tante, qui visait Jésus-Christ. Et Dieu peut équiper le Saint-Esprit, lui dit, fait le don. Le don, c'est appartenir à qui ça me l'a à nous. C'est appartenir à nous, il commence avec toi quand même. Reviens. Et puis, il développait, il y a l'envers les autres. Amen. Amen. Maintenant, frère, avec qui vous pouvez dire nous? La chose, c'est qui vous pouvez dire aux autres, c'est que nous tout dire moi, dis-moi, pour finir d'être appelé dans la grande commission. Amen. Bon, quand je vous ai fait franchement, pardonne-moi. Jamais vous pouvez faire ça, et jamais vous connaissez cette église, vous faites ça. Faites-le croire qu'il existe un serviteur bon Dieu qui a fait un miracle. Existe un serviteur bon Dieu qui n'a pas fait des affaires. Non, la Bible n'a pas parlé de ça. La Bible parle de tout ma piquette. Nous allons. Et là, il y a une autre. Tu peux comprendre, papa et boss, les disciplines, il y a une autre.
Mais c'est qu'il faut recouvrir cette pensée. Vous-même, vous êtes puissant, une source de vie. Regarde ce qu'il a dit. Si vous croyez dans cette parole, vous sortez une source de vie au-dedans de moi. In my belly will gush out a river of living water that will gush us out through eternity. Qui peut vous dire de vous-même pour sortir de la rivière de vie? De toi. Hey! Je ne connais pas. Mais mon vie, pourquoi ça n'a fait jamais vous dire qu'il ne puisse pas faire les gens, regarde. Sauf que si je suis capable. Mais maintenant, il faut rôder. Combien de manquiquettes finales? Combien de manquiquettes finales? Combien de dons de talent est gardé dans eux? Aujourd'hui, on vous demande le Saint-Esprit qu'il y détient sa manteau, sa mentale. Et que ce commence à œuvrer pour le Seigneur. Vous pouvez vous le faire pour gagner père. Mais combien de temps que vous gagnez père? Œuvrer finalement bien, vous avez du travail. Mettre la main dans la terre là. Beaucoup nous pensons que nous sommes plus sales. Mais ce n'est plus le temps pour mettre la main dans la terre. Mettez la main dans la terre. Par responsabilité. Vous êtes la même. Dieu vous travaille pour le Seigneur. Amen. Maintenant, m'explique-je, qui était ça le don des miracles? Qui était ça le don des guérisons? Nous prenons premièrement le don des guérisons. Le don de guérison, c'est un don donné par le Saint-Esprit. Et ça donnera finalement donné qui m'a quitté, qui est rempli du Saint-Esprit dans ce don-là. Quand je suis allé, je suis capable de prier pour mon dîme qui est malade, et ça m'a dit que je vais recevoir la guérison. Je te dis malade. La Bible croit, et la Bible dit que c'est par les mêmes prières de Jésus-Christ que je gagne la guérison. Mais ma quelqu'un qui est dans le don, qui est dans sa don là, quand je suis allé, pour vous expliquer un petit peu plus profond dans quelques minutes, je suis capable quelque part, et dans ma don qui accompagne, pardon, et dans ma guérison qui accompagne, je, et quelque part, ça m'a quitté là, si je suis dans sa don là, je pense trouver ma dîme de guérir. Écoute, moi, vous ne pas connaître, mais vous pouvez dire, ça, c'est une raison pourquoi on veut porter ça aujourd'hui. C'est que Dieu a envie qu'il nous mange, nous, tous, nous mange dans le surnaturel. Oui. Je connais comment il pouvait être ça. Pas oublier, un homme de Dieu qui dit ça, il dit comme ça, le signe des miracles des prodiges, il peut dire la cloche qui peut sonner, peut faire 10 mounes connaît qui brûle le grand Dieu. Qui différencier entre une idolâtrie et un vrai bon Dieu? Vous posez une question ce matin, ce soir. C'est des choses qui arrivent. Man la vie transformée, man dit mon guéri, man dit mon de la vie transformée. Et aujourd'hui, il est important. Moi, je trouve un don qui est important pour l'Église. C'est le don de la délivrance. Pardon, c'est le don de guérison. Quand tu as quelque part, on va aller nous prier. Mais c'est moi qui pense pas de la foi. Man a un père, frère, vous connaissez. Man a fini dire comme ça parce qu'elle n'est pas pose la main du monde. Vous clarifiez ça, moi de là. Qui fait que Dieu ne pose la main du monde? Premièrement, tu m'en viens. Je t'en viens pas. C'est un homme de l'ancien, on vient pas. Premièrement, si vous m'avez bien préparé, et les puissances sataniques plus fortes, si vous m'avez bien préparé, nous-mêmes, quand on va faire visite, nous avons préparé. Parce que nous avons connu que nous allons. Nous mettons à bord, nous prions avant de nous mettre en place. Maintenant, mais si je suis allé, je ne pas si bien partagé. Premier. Parce que nous ne connaissons pas qui est là-bas. Pour ça, qui tout le temps, je l'ai prié. Quand je l'ai prié, je t'équipe de même. Deuxième chose extrêmement importante, si vous l'avez pas trop, pas posé en mémoire. Parce que vous l'avez ouvert. Tout puissant satanique pour entendre. Vous êtes en même? Tandis que vous êtes connu qui vous êtes pro, ou prier, ou sûr, ou aller, ou travailler du monde, ou prier pour lui. Vous êtes en même? Nous avons se développer. Beaucoup de monde cachés de ça, ne pas vous cacher dans l'île, la vérité. Il est important de expliquer de ça, parce qu'ils vont se développer. Vous êtes en même? Il est important, je crois, vous êtes content en moi. Qui tout le monde dans sa salle, sans exception, je prends dans l'hôpital, je vais prier pour du monde, du blague et de sortir de parler. Frère, pas capable, qui ça n'est pas capable? Moi, je crois, je trouve libre dans la vision qu'il va arriver et que l'enseignement de la parole, je bizarre qu'il n'a pas fait. Amen. À moi, je parle. Vous êtes amen? Je connais combien de gens dans ma tête ont caché, vous êtes amen? Et il y a des gens qui m'ont dit, la première fois, le volant, il t'a dit, vous le facile, gars. Mais tu dois en dire ça. Mais si jamais tu t'en volant, c'est jamais que tu ne peux pas faire. Tu as besoin de développer. Pas peur. Mais c'est bon, pas oublier ça, déavertissement qui me donne ça. C'est la même. Par un bon ami. Deuxième, assurer que vous l'avez programmé. La sainteté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, on va continuer. Deux petits points qui sont importants. Ça donnera l'aide-moi pour être capable d'opérer dans ma guérison. Premièrement, les surnaturels. Vous voulez surnaturel. Quand les surnaturels, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas habitué de toi. C'est le Saint-Esprit qui s'y habitue. Je vous ai compris ça.
Le Saint-Esprit qui a envie de guérir. Vous êtes à même? Le Saint-Esprit, c'est au courant, au moins un exemple courant. Courant là, des ans là. L'idée en vivant de ça, là, pareil là. Mais seulement, plaît-là, c'est où ça? Où vous êtes connecté pour ça arriver. Maintenant, le Saint-Esprit, il va baisser là, pour ça, il nous vous prier un petit moment. La discute peut terminer. Pour donner le temps pour nous prier. Qui nous pour prier? Nous disons, Seigneur, mollez-moi, soit fait. Pour moi, mon envie trouve l'Église, commence à développer et commence à transformer dans l'âme et commence à exercer ça. Selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Oui. Premièrement, il y a une utilisation naturelle. Qui s'en veut dire surnaturelle pour que propre la force de mon corps. Mon vie est aussi explique. De notre même dimoun bini, l'ipé trapène, dimoun, l'ipé sacouillé, guéri, guéri, n'aurait pas bien arrivé. Dieu va l'appeler pour nous faire ça. Ça non. C'est que Dieu n'appelle nous pour nous faire. Écoute-moi bien, il s'est appelé d'être saint. Le mouvement du Saint-Esprit est simple. Le Saint-Esprit dit même il y a une personne de la simplicité. Il y a une personne de la douceur, il y a une personne de la compréhension, il y a une personne qui est vraiment douce. Quand tu es venu de prier, tu simplement imposes les mains. Si tu es dans le don, automatiquement cette personne vous guérit. Instantanément. Bon. Priez pour un piquin, il y a un grossier, vous priez pour lui, un jour priez pour lui. Quand vous pensez le grossier disparaît. Priez pour quelqu'un qui a tel problème, priez pour lui, après des trois jours, guéri. C'est ma petite chose qui est, le tout dit, est facile. C'est qu'ils ont bien fait, ils ont bien, et dans le don, croire, exercer. Frère, mais comment vous pouvez ça? Il dit simple, mon fils, nous avons la clé là, il s'est de un petit frère, de un petit serre, qui est malade dans la case, commence quoi, lui-même? Oh! Tu as des enfants qui sont malades, commence quoi, lui-même? Du moment que tu commences à prier pour lui, tu demandes une guérison, tu dis, hé, il m'a rien à faire ça. Maintenant, qu'il faut faire? Un dimoun. Vos voisins parlent bien. Moi, il m'a fait, waouh, moi, j'ai des jeunes, trois jeunes, quatrième, cinquième, commence à développer. Là-dedans, qu'il arrive à faire? Frère, on peut prier, on peut guérir. Jésus, tu as un kikène qui m'a martyrisé. Donne-moi bien. Jésus, il peut servir ton nom. Il peut prier pour Jésus, qui te dit? Jésus, il dit, parfait, non, il pour vivre, il peut faire ça en mon. Tant que le royaume grandit, grandit, c'est « Ah, il faut faire mon ami, mon bien, moi, je vous gloire, moi, je vous remercie, je vous t'apprends. » Mais commence à grandir, développer, commence à arriver. Nous sommes des hommes, walk and reach out for you. Mais à travers de ce combien de monde. Maintenant, si ça, du monde réussit à briller pour un du monde dans un an, les gars guérissons, ils viennent dans l'église. L'église, dans un an, sont, ils vous sortir. S'il y descend du monde, moi, je 365 du monde, il y a 565. Hein, mon cousin, hein? Un seul. Tu sois. Le problème, c'est qui? Personne ne dit nous ça. Le problème, c'est qu'il nous a développé, nous a développé nous-mêmes. C'est pas même. Oui. Pour la gloire de Dieu. Et je, tout ce qui soif pour ça, Dieu vous donne ce fait. Comment si dans un bagage, vous commencez à mon carte. Et vous priez, mon Dieu, mon accord, et vous priez. Frère, on vous veut, frère. J'ai développé. Bon, pas méchant, moi. Si ou papa, tu dis où ça reste assis, c'est pas moi, c'est mon enfant, je suis tombé. Et papa, c'est pas moi, 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 oui. Je connais pourquoi je fais dire et n'entends des nouveaux pays, je ne suis pas grand disant là. Dans le panier. Bizarre comme on dit là. C'est pas mal. C'est pour grandir. Amen. Des enfants de pas grand. Et demandez-moi une grande enfant pour manger. Allez. Deuxième. Il y a aussi quelque part. Commence à prier, tellement bien, moi j'ai mis trois points là-bas, je suis capable d'écrire un livre, un problème. Bon, tout c'est un point qui est important. Je connais ça, du coup, moi des gens trouvent ça. Mais c'est moi, je me disais, comprends qu'il faut que je puisse expliquer ça. Je connais dans ma certaine du monde, qui Dieu qui me donne une onction dans ta vie, moi des gens entendaient, moi des gens trouvaient, mais mon but porte à ça, qui chaque fois il pose la main pour un cas spécifique, ça dit qu'on a une guérison. Pour prendre un exemple, un du monde qui a un diabète, ça fait la vie prier pour lui. Vous ne pouvez pas amener un dimon qui est dans les autres maladies, pas rien en lui. Mais si ça a un don spécifique, juste pour prier un dimon qui est dans la diabétique. Si c'est un don pour prier un dimon, ça c'est capable et non.
Mais c'est le travail du pasteur pour capable développer sa mandimona, pour trouver, pour identifier. Et mon désordre pour ça, pour moi, ça ne reste une humilité accrochée dans mon latin. Une fois, un serviteur de Dieu peut prier, un dit qu'un vin devant lui, des fois, vous pouvez le cancer prier. Vous connaissez pas ce qu'il y a là qui vient, il arrête sur la prière, des fois, et là, ça fait là-bas ce don ça. Il allait à la avec lui pour prier pour. Parce que du tout, même puzzle. Amen. À la avec lui, qui fait à la fin du jour, chacun est dans le don, à vous de prier pour toi là-bas. Le plus pas, c'est qui parce que là, il y a un donneur, la gloire. Ça qui est un bizarre. Amen. Si chacun d'entre nous commence à travailler comme ça, qui te sauve pour commencer à arriver. Et maintenant, ta lèvre va nous déterminer. C'est moi qui ai envie de tout lui demander, Seigneur, de nous attendre à avoir soif de sa vie. Qui nous capable de révolutionner sa vie, Maurice. Révolutionner sa vie. Révolutionner vos familles. Vous n'êtes pas quoi? Amen. Faut qu'à continuer? C'est le don des guérisons. Maintenant, mais là, le don des miracles. Le fait qu'il est ça. Le don de guérison, ben, posez mes malades, les malades seront guéris. Maintenant, le don pour père ma miracle. Nous trouvons ma quelqu'un comme Oral Roberts, Smith Wigglesworth. C'est ma quelqu'un qui fait faire mon exploit avec le don des miracles. Vous pouvez prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Le don des miracles, et une fois qu'il y a un quelqu'un, il sera un couché en Australie, un homme de Dieu. Dans le travail, la journée, il coupe ça des doigts là comme ça. Tantôt, il y a une réunion, il y a un réveil pour y aller faire. Sur les doigts, il coupait, mais tantôt, il n'est pas capable. Après, la personne pour faire une réunion, il faisait faire une réunion. Dans l'époque, il y a 1948, pas là. Qu'il arrivait, ça les voyait pendant une catastrophe, il a fait sa réunion. Quand il a fait sa réunion, quand on peut prêcher la parole, on va sur les doigts, il peut sauter là. Sur les doigts, il sautait là. Et sur les doigts, il sautait là, il a tapé un du monde qui a un cancer. Et ça a dû même guérir. Et quand il était sur les doigts, c'est un peu de débat qui force. Amen. Vrai exister ça. Vous en trouvez des pieds poussés. Il demande la foi, c'est. Pour poser bien les affaires. Vous gardez 5 minutes avec eux. Le temps d'opérer des miracles, c'est ma grande petite chose qui est arrivée. Ma aveugle trouvée. Sous-tendée. Muet parlé. Frère, fini. Non. Pas encore fini. Et mon but, c'est de la faire aussi. Je connais pourquoi le livre des Actes des Apôtres est résiste à CTS. Actes. Pas pour faire Actes. Pourquoi? Nous te disons le livre des Apôtres. Mais regardez dans notre Bible. Il n'est qu'à oui, à CTS des Apôtres. Est-ce qu'en tout temps, la Bible, il y a le livre des Actes? À CTS. Connais pourquoi? Moi, je dis. Je peux vous dire? Livre pas encore terminé. C'est nous qui nous avons terminé sa livre. Il commençait, il a arrêté. Beaucoup, nous, sa livre pour quoi est ajouté. Et c'est nous qui nous avons continué sa main acte devant sa porte là. C'est-à-dire qu'il y a un miracle qui nous a commencé à opérer dans la vie. Quelque chose qui nous a commencé à faire. Ma malade qui nous a guéri. Et là, ma grande petite chose. Frère, quand la dernière fois on trouve un démon handicapé, bossé, ah, il y a des salles, ça m'a dit, on déjà. Mais nous, vous vivez comme ça, jusqu'à ce que je serai tombé là. Votre challenge de l'autre. Nous pourrons être quelqu'un qui n'a pas grand dans l'église. Pardonne-moi. Mon cas, je rentre aussi. Un aveugle rentre dans l'église, qui sortit pareil. Quand Jésus lui dit comme cela, ces choses, c'est pour moi la gloire, ça. Quand tu la gloire, regardez-nous la solution. C'est le matin qu'on se fait prier. Le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux de ma pensée, évidemment, déposant nos lèvres, évidemment, allez à Dieu. Je te prie pour ça. Je tiens, je te dis qu'après, vous racontez un témoignage. Les amis nous désarraient. Mais vous portez ensemble avec eux. Vous montrez eux qui, tellement bien, avant qu'ils vont de l'avant, les signes des miracles, des prodiges, n'est pas des pas de l'estrade, ça. Il n'est pas des autres, ça. Pour rédiger des signes, des miracles, des prodiges, pas des pas de l'estrade, des pas des autres, ça. Frère, vous n'en verrez rien, non, pas dans les rien. Nous devons dire l'atmosphère de la foi. Vous connaissez, si vous rentrez dans une église, un démon, par quoi qui peut être miracle? Miracle à opérer. Mon cas, pour la fin avec ça? Ok.
pour montrer ce but. Une fois, on peut dire dans un enterrement, on peut dire petit, on peut dire petit, mais pas dire pour une folie dans le ministère. Rentre dans un enterrement, on peut apporter un secret avec eux, un secret. On peut dire que là, on peut dire que là, moi, j'ai la force incroyable, mais vraie, j'ai la voix de moi à tirer là-bas. Parlez quoi par elle. À tirer là-bas. Et moi, j'ai la force, mon père, mon père, Dieu, Dieu mettez moi le Saint-Esprit. Moi, Philippe, m'a bougé mon père, donne-moi bien moi mon Saint-Esprit. Un chrétien, qui est à côté de moi. Comment vous pouvez décaler, vous pouvez aller connaître qui lui dire. Il dit quoi, même un démon ressuscité d'entre les morts, il mourrait cancer, quand il pourrait vivre, il pourrait continuer à s'avancer. Vous connaissez des mots la foi, vous connaissez ça, Nanto? Allez, dis-moi ça. Non, oubliez, oubliez ce pas du tout, les gens, je voulais. Oubliez ça, vous là. Oubliez ça, vous là. C'est pas tu peux lever, pas tu peux lever. Oubliez. Quand c'est que vous tenez à parler, vous pouvez pas tu penser. Mais qui ça n'entend? Un chrétien et vos colonies. Les convertis pendant des années. L'atmosphère de foi, c'est nous qui faut l'église. Un point, c'est tout. Parce que l'une d'église, moi, on dit, bon, en fait, elle avait une venue. Aïe, ah, mais c'est guéri, pas guéri. Nous vivons comme ça. Nous vivons l'église comme une routine. Moi, rentrer, vous louez, moi, pour être une égoïste pour nous. Et bien, quelqu'un qui peut souffrir, qui a un problème, qui a un circonstance, personne ne va care. Mais tandis que sans nous oriente d'une façon de voir, elle a la force qui, quelquefois, Seigneur, a saisi. Pourquoi, dans un pays comme l'Indonésie, la Chine, dans ma grande petite chose qui peut dérouler, peuple-là, il sait que peuple-là, on vit une petite chose arriver. Nous voyons que nous, vous était vous terminez sur cela. Nous, Boubou, c'est qu'il y a eu trop dans une zone de confort. Un point, c'est tout. Un chrétien. Et moi, j'ai un affaire. Moi, j'ai rié. Après, on réalise, moi, j'ai rié. Si Dieu, si tu es lié dans sa amour là-bas, il mourra un cancer, oui. Si bon Dieu donne la vie, ou quoi, il vit avec son cancer, quoi? Non. Et de où? C'est un problème grave. La source est une loi par hasard. Nous retournons au temps des actes des apôtres. Moi, je suis un peu de l'enseignement, un peu de théorie. Nous pourrons faire théorie de Darwin, nous faire théorie de Newton, nous dire assez, nous retournons base. Combien de temps nous partons quoi? Combien de temps nous restons ça? Combien de temps nous pouvons dire ça? Eh bien, laisse-le tourner. S'il y a envie, guéri, guéri. Combien de nous traversons la porte de l'église et aujourd'hui? Non, vite trop qu'il soit. Mon vie, il m'a risqué. Mon vie, ça l'endroit là. Comme il m'a conscience bien guéri. Comme il m'a dit pauvre. Comme il m'a sida bien guéri. Comme les drogués, nous les trouvons drogués, traversent la pauvre église. Mais c'est nous en bas. Je sais Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Le Maître éternel, le Dieu absolu. Il t'épargne de nous. C'est nous qui devons fauter. C'est nous qui devons fauter. Aïe, frère, qui m'a commencé dans Dieu. Aïe, frère, tu ne connais pas. Est-ce qu'il me fait une application de travail? Je vais gagner un travail là. Je vais trop centré dans le. Je vais bénir. Tout comme vous bénir. Tout comme vous capable. Mais combien de temps vous faire comme ça, peuple de Dieu? Aujourd'hui, il faut faire la paix avec Dieu. Est-ce qu'il est capable de réorienter la vie? Ce qu'on est comme des gens de notre divorce, comme des gens de votre société. Mon enfant n'est plus envie de votre téléphone. À vos autres questions qui fait. Tous les jours, il y a un nouveau kilo là. Nous pourrions s'amener. Ah, on fait un ville, dans une grande église. Ah, on veut l'église bien, moi, l'église bien grande. Vous faites ça. Vous êtes rempli là. Rempli de qui? Des âmes. Le péfauté. Si vous pouvez fauter, vous pouvez manger, vous mettez du côté de ma foi, vous pouvez manger. Chien? Ok. Et il y a pourtant, peuple de Dieu, vous comptez dans la boue de Dieu, c'est mon blessant qui canne ici pour le manger.
Corner. Sur la Bible Saint-Étienne, de tout mon écrire. Mais il est important pour nous prendre le travail que Dieu n'a pas. Que vous donnez une récompense pour gagner le ciel. L'eau la terre là, il y en plus. Cherche d'abord le royaume de Dieu, tu sais qui se te prend, tu gagnes. Si au-dessus plus, c'est l'eau, au-dessus plus, ça c'est aujourd'hui, si tu prends le feu, tu prends la carte. Mais ton travail, cherche d'abord le royaume de Dieu, c'est ça qui te sauve, ça, ça. C'est ta bénédiction. Tu es rempli de couronne là-haut. Waouh, tu connais tout droit, tu rentres dans les cieux, tu devrais vivre sa grosse là. Rempli des œuvres, quand Jésus n'est que brille sa vie, m'a fait de couronne. Diadème rempli de la main, te pose avec la tête, tiens. Ouais. Mon vrai succès dans la terre. Pour toi. C'est comme moi, mon bête de ce bon, ça connaît pas ce qui me remplit pour moi. Pas mieux que la chambre, c'est pas connaître les chaises. Si tu vous arrives, tu vois, ça va te remonter. Définitivement, c'est ça. À quoi c'est tout. Mais il y a un bon temps. Are you here? Tu comprends moi? On peut demander le Saint-Esprit le don des miracles. Le don de la guérison. De vous consulter dedans. Ça, mon patin a déjà vu ça 7% dans le monde. Tout est réglé. Quelle on peut se mettre debout. Allez. Et mon réseau, c'est mon décision encore. Non, mais c'est mon diable. Allez, assieds-toi.